Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur infogaracy.fr. Aujourd'hui, je reçois Romain Campos. Romain Campos, bonjour. Bonjour. Parlez-nous des étapes d'aujourd'hui. Bah aujourd'hui, c'était un circuit, donc on faisait trois fois le col de Gamien. Pour ma part, bah, j'ai fait que deux fois et j'ai abandonné. J'ai pas trop récupéré d'hier. Et voilà, on a quand même, j'ai quand même un collègue qui fait dans les 15 premiers, donc c'est satisfaisant quand même. À cause de mauvais temps ou parce que vous n'êtes pas en forme aujourd'hui? Aujourd'hui, il a fait quand même assez beau, mais ouais, ben j'ai beaucoup donné hier et je pense que je n'ai pas récupéré physiquement. Et voilà, c'est tout. Vous étiez favori pourtant dans cette étape ou dans ces courses-là, parce que vous avez gagné combien de fois cette course? Cette étape-là, je l'avais gagnée l'an dernier déjà, mais voilà, j'aborde pas le début de saison de la même manière. L'an dernier, j'avais beaucoup plus roulé l'hiver. Cette année j'ai moins roulé, voilà, du coup j'ai un peu plus de mal à récupérer que les autres années, mais bon, je serai en forme un peu plus tard dans la saison. Demain aussi il y a une étape à Moléon, vous êtes prêt pour demain? Ouais, mais pour demain aussi, c'est un circuit, c'est usant. Par contre ils annoncent pas beau du tout, donc il va y avoir beaucoup de pluie je crois, et ouais, après bah, demain je prendrai le départ, et toujours pareil avec le couteau entre les dents, puis je verrai dans l'étape comment ça se passe, si je peux aider les copains à gagner, ça serait cool. Est-ce que vous êtes amateur ou professionnel? Cette année je suis amateur, j'étais professionnel l'an dernier au sein de l'équipe cycliste de l'armée de terre qui a fermé ses portes, donc on l'a su un peu tard et du coup là on s'est tous recasés de cette équipe là, on s'est recasés chez les amateurs pour beaucoup. Moi je suis reparti dans mon club où j'étais amateur en 2015 et 2016, donc voilà, je suis au sein du GSC Blagnac Vélosport 31. Votre rêve c'est quoi? D'intégrer une grande équipe comme qui va faire le Tour de France ou le Tour d'Espagne, ou rester comme ça avec vos copains? Non mais moi ouais, voilà, je suis reparti chez les amateurs pour essayer de rebondir et pour repasser chez les professionnels. Donc ouais, je vais tout faire cette année pour remonter chez les professionnels. Combien vous faites de kilomètres par semaine? Par semaine entre 400 et 600 kilomètres. Et est-ce que par exemple quand on fait des kilomètres comme ça, on va tout seul ou avec des copains? Bah ça dépend, quand j'ai des exercices à faire, j'y vais souvent tout seul. Sinon avec, ouais, j'ai l'occasion de rouler avec beaucoup de cyclistes aussi, j'habite sur Castres. Et il y a un gros groupe de cyclistes, donc je vais souvent rouler quand même avec les copains. Est-ce qu'on est tout le temps motivé pour aller aux entraînements ou de temps en temps on n'a pas envie, on dit bon je reste à la maison? Ouais, on n'en a pas tout le temps motivé, ça serait trop facile sinon, mais voilà, après c'est notre métier, donc il faut qu'on y aille, hein, on n'a pas le choix. Puis si on veut progresser, on n'a pas le choix aussi, il faut aller rouler. Si on veut pas, si on veut pouvoir se faire plaisir le week-end sur les courses, il faut s'entraîner la semaine. Hein. Est-ce que vous aimez la musique? Ah, j'adore ça, je suis tout le temps avec de la musique. Est-ce que vous kiffez pour le foot ou pour le rugby? Plus le rugby. Est-ce que vous préférez voir de Beyoncé danser ou Rihanna? Rihanna. Est-ce que vous préférez écouter du rock ou du rap? Du rock. Est-ce que vous préférez aller supporter Marseille ou Paris? Aucun des deux. Est-ce que vous préférez Bordeaux ou Lyon? Bordeaux. Est-ce que vous préférez Lens ou Toulouse? Toulouse. Je voulais vous remercier pour votre disponibilité et votre gentillesse. Avec plaisir, merci à vous. Merci beaucoup. Vous pouvez dire Milesker? 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 Milesker. Merci beaucoup. Avec plaisir, au revoir. C'est un bas.